c'est pas ça, c'est que je voulais l'interviewer. Donc elle ne me crie pas dessus. Hein. J'ai oublié mon portable. Bon, ben voilà, on est arrivé à Paris, on est dans le 14e. Et comme je vous ai dit, enfin, dans le vlog d'hier, on va bruncher. On est quatre, son frère, sa sœur, Eric. Et moi-même. Je peux vous dire que ça fait bien plaisir d'être à Paris Fempo. 2-3 pièces, c'est-à-dire que la troisième. 68 mètres carrés, 900 mètres carrés. La petite terrasse. Le cinquième étage avec ascenseur, 2 pièces, 72 mètres carrés. Tiens, c'est là où on va? Où ça? Le café Brol. Ah, oui. Bah on est garé juste à côté. Ok, bah on va au café Broadway. Il est 11h40, on est arrivé plutôt que prévu. On a réservé pour midi 30, donc on va voir un peu dans le coin. Tant qu'à faire. Un truc que j'adore faire, c'est aller voir le prix des hôtels. Donc le Victoria Palace. Tu peux les demander? Des quoi? Le prix. C'était pas un truc de classement valable 5 ans 2021. Ouais. Bah oui, parce que tu as des critères. Ouais, bien sûr. Je vous en prie, il n'y a pas de soucis. Le lieu est tellement joli. C'est Eric qui a ma perche adorable, vraiment, et les prix très corrects, 280 et quelques premières chambres, raisonnable par rapport à l'hôtel, hein, l'emplacement et tout. Ça monte pas de fou après, comme quoi dans la vie, faut oser. Je crois qu'il est temps d'aller bruncher, je suis toute décoiffée par contre. C'est la coupole. Oui. Ça se tient ça, la coupole? Je pense, ça a l'air. 1927, le voiturier. C'était le voiturier, ouais. Attends. J'ai bien fait mettre des baskets, de toute façon Paris, c'est des baskets. Nous y voilà. Il y a deux terrains sur le terrain ici. Oh, il y a du brunch, j'ai vu des brunchs. Step 1, wake up really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Bon, bah on vient de sortir, j'ai pas pu parler parce qu'il y avait de la musique assez forte. Donc c'était bon, la première partie vous avez vu salée. Après l'autre partie avec les chichis et tout ça, c'était un peu lourd. On a payé 31€ par personne. Donc là on va dans le premier, je crois à Châtelet, mais avant... Excusez-moi. Comment tu t'es fangé? J'avoue faire gaffe en Paris. Je me suis fait engueuler par le taxi et engueuler par le bus. J'en profite, une devanture, je vous montre mon look. Très parisien, basket. On est très bien là-dedans et je regrette pas du tout. J'étais quand même partie avec ma chemise de bûcheron assez épaisse. Je me suis dit, bon, Eric m'a fait non en fait, non, ça va pas le faire du tout, il fait trop chaud. Regardez rien que cette petite rue là. Suis-je hôtel Marfouf? Léna Situation. On est passé pas loin, on s'est dit tiens, bah, pourquoi pas s'arrêter? Parce que je regarde quand même ces vidéos, ces super vidéos d'ailleurs. Bah, à chaque fois, il y a un monde de fou. Donc, me rendre compte un petit peu de l'activité, effectivement. Nous avons du monde. Non, mais c'est de la folie. Hein. C'est pas possible là, que. Regardez jusque là-bas. Ça va pas être possible. Hein. J'aurais bien été dans le magasin quand même. Bonjour. Bonjour, tu fais un vlog? Le papa. Oui, je fais des vlogs. C'est bien. Effectivement, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Mais ils sont gentils. Pas comme événement. Bah, c'est la fille de monsieur, c'est Léna Situation. Ah ouais, c'est bien. Très gentil ce papa, donc il est là en train de parler. J'ai l'impression qu'il a l'habitude en tout cas. Moi. Puisqu'il vient tous les jours depuis l'événement. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir rentrer. Non, c'était pour un reportage puisque je fais des vidéos. Je vais la faire descendre. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Bon, allez, on est dans la boutique. La fameuse. Room service. C'est tout mignon. Attends, je cherche la petite miniature à faire.
Très bonne qualité, hein. Ouais, il y a vraiment l'épaisseur. Hyper joli. J'ai bien envie de me prendre la petite bougie qui me donne envie. Un t-shirt, un pantalon. J'ai pris la bougie. Dans les toilettes, ma fouf. J'attends mon achat. Il y a peut-être la musique en fond là. C'est toi Caroline ? C'est moi. Qui est ma puce ? C'est très drôle, très très drôle. Ah non, j'ai cru que c'était du papier toilette et que c'était une blague. Ben non, c'est pour ça que je comprends pas. Mais moi non plus. Ça aurait pu. Là, je suis arrivé, j'ai pas tout suivi. Non, je sais pas. Je lui dirais, tu es qui ? Parce que je suis moi. Je suis Caroline. C'est Caroline. R. Je fais aussi des vidéos et j'ai créé ma marque. Non, c'est pas toi. Non, je suis pas Caroline Receveur. J'en sais rien. Caroline R, juste un R. Voilà. T'es dans le même monde que ma puce, c'est ça ? C'est pas ça, au même niveau, mais oui. Je suis restée avec son papa, c'est lui qui m'a donné ça. Et j'ai cru qu'il m'avait fait une blague et que c'était du papier toilette, je vous montrerai après, alors pas du tout. On a bien parlé, il m'a demandé ce que je faisais, qui j'étais, il m'a dit tu fais la même chose que ma puce, et là, je pense qu'elle passera aujourd'hui, mais nous c'était vraiment pas prévu. Et on s'est dit bah tant qu'à être là, même si je pensais que c'était mort vu le nombre. Regardez. Et bah je suis ravie. Tu sais, c'est deux vigiles. Ouais. Caro, elle arrive, c'est une adulte, etc. Mignonne, machin. Elle vient lui demander un truc. Après, il a lâché plus. Non, je lui ai dit. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais en gros, il me dit oui, vous filmez. Je lui dis oui, je fais des vidéos, c'est dommage parce que je suis pas d'ici. Je suis pas venue exprès non plus, mais tant qu'à être là, il a dit oui. Entendu. Oui. Je vais dire qu'elle a un avion. Ouais, parce que l'avion pour Chartres, il décolle. Par contre, le staff. Là-bas, on est d'accord, le staff, ils sont top. Ah ouais. Ils sont adorables, ils sont vraiment bien. Ils ont le père qui est là, qui regarde. Ouais, le papa gentil, efficace, top. Voilà. Non mais pour parler. Merci, c'est pas ça, c'est que je voulais l'interviewer. Donc elle ne me crie pas dessus. Hein. Je voulais. Pas, après, il faudrait que tu aies un appareil hyper perfectionné. C'est-à-dire, c'est impossible. Tu peux pas. Mais si. Tu couvres un et tu mets une bande son. Mais non, 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 non. Mais si, t'as un truc de merde. Non. C'est quoi ton parking? On va où là? C'est une place. Je suis sûr que ça fait même urinoir. Ouais. Mais on est où là? Eh bien, on est parking rue Turbigo. La rue Saint-Denis. Ah, oui. La rue Saint-Denis, c'est une rue. Avec des pipes chauds. Et on appelle ça des. Comment t'appelles ça les. Bah, les pipes chauds? Non. Les péripatéticiennes. Non, y a, on a une rue comme ça. Ah, je sais. Les. Mais non. Les roads. Non, non, non. C'est pas normal. Hein. Non. Ça résonne. Ça pue. L'odeur. J'arrive. Les mains en l'air, tout le monde. On est rue Saint-Denis. J'ai soif, vous n'imaginez même pas. Ah, très bien. On va au père tranquille. Ça pas trop. Et en fait, là, c'est les halles. Après, je pense qu'on va aller faire un tour au magasin. Un truc qui est tombé par terre, par l'autre. Ah, mais je ramasse pas. C'est sale. Ah, j'ai arrêté pour ça. Ça fait du bien, cette petite pause. C'est joli. Bon, par contre, c'est en plastique. Donc. Mais c'est joli. Ah, ils sont là. Bon, on va aller faire un petit peu de shopping, j'ai l'impression. Regardez, Sephora, j'ai une carte cadeau, je suis obligée d'y aller. Eux, ils vont chez Lego. C'est immense, ce sont les halles. Apparemment, elles ont été refaites. Ah non, il n'est pas si grand. Derrière, il y a Moleskine, Rituals. Bon, à Lego. Vous avez vu ? La marche n'est pas la même. Ça fatigue, Paris. Tu marches beaucoup, Paris. Hop, nouvelle batterie. Je vais vous montrer maintenant parce que demain matin, je pense que j'aurai pas le temps. Bah, vous l'avez vu, le sac collector, hôtel Mafouf. C'était vraiment chouette. Hein. Dans le papier, dans ce fameux papier. Rien que ça, c'est très beau. Voilà. Et ici. Et voilà, donc ça va être carrément top par rapport à ma déco. Je vous dis, ça sent très très bon. Et donc, la boutique s'arrête le 1er. Septembre. Je pense que ça va leur faire drôle parce que tous les jours, le monde. J'avoue que les vlogs d'août, mais ok, on a une grande différence d'âge, mais c'est tellement de qualité. Ça voyage. J'ai adoré son vlog allemand, je sais pas si vous avez vu, mais excellent. Ensuite, Sephora, donc avec ma carte cadeau, une de mes cartes cadeaux parce qu'il m'en reste encore, je me suis pris le plus beau fond de teint du monde.
C'est de la marque Armani. Fond de teint longue tenue. Un mat imperfectible. Nous avons un SPF de 20. Dedans, il y a des Power Fabric. Non. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. La teinte, bon, bah, je l'ai swatché sur moi. Enfin, sur mon poignet, on verra. Je n'ai pas le prix en tête, je pense que... Parce que c'était avec ma carte cadeau. En tout, il y en a pour 90 euros. Il est entre 50 et 60 euros. Hein. Ah oui. J'ai pris... Alors ça se trouve en caisse. Je voulais tester, je ne connais pas. C'est donc un flawless filter. Tu mets une goutte ou deux, soit mélangé avec ton fond de teint. Elle m'a même conseillé de le faire avec celui-là, ça va être canon. Ou bien mélanger avec ta crème de jour et ça vient flouter apparemment. Ça te fait une très belle peau, donc à voir. Évidemment, je vous dis... Ah, trois pâles, il y a une couleur. Merde, j'avais pas vu. D'accord, j'avais même pas vu, je croyais que c'était genre de l'huile. Là, il y a une couleur en fait, ok. Un petit rouge à lèvres baume, donc Sephora. Comme ça, carrément, non, ici, dans mes couleurs, donc un rose. Je l'ai swatché aussi rapidement, il me paraît pas mal. Et j'ai été gâtée. Alors, ils ont vu que c'était mon ami, donc j'ai eu plein de petits échantillons comme ça. Voilà pour mes achats et surtout, mais la journée trop bien à Paris, ça m'a fait plaisir. Ça, c'était tellement cool que bah, on va refaire ça de temps en temps. Il y a tellement de choses à voir et tout, c'était trop bien. Attendez, j'ai retrouvé mon jaquette. T'es content? T'as retrouvé ta maman? T'es beau? Oui. Bon, bah écoutez, vous l'aurez compris, je vais arrêter ce vlog. J'ai aucune idée de sa longueur. J'ai pas encore, je ferai demain le montage. Et bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai les cheveux en vrac. Par contre, quand tu vas à Paris, tu reviens, là j'ai qu'une envie, c'est me démaquiller, me mettre à l'aise. Voilà, j'arrête de parler. Bisous à tous, ciao.